Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Mon Seigneur et mon Dieu, je t'offre cette journée. Fais que je la passe dans ton saint amour et sans t'offenser, du moins gravement. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi.
car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Seigneur, en ce début de l'Avent, viens réveiller notre cœur alourdi, secouer notre torpeur spirituelle. Donne-nous d'écouter à nouveau les murmures de ton esprit qui, en nous, prie, veille, espère. Seigneur, ravive notre attente, la vigilance active de notre foi, afin de nous engager partout où la vie est bafouée, l'amour piétiné, l'espérance menacée, l'homme méprisé. Seigneur, en ce temps de l'Avent, fais de nous des veilleurs qui préparent et hâtent l'événement et le triomphe ultime de ton royaume, celui du règne de l'amour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ô Marie, tu brilles toujours sur notre chemin comme un signe de salut et d'espoir. Nous nous confions à toi, santé des malades, qui, auprès de la croix, a été associée à la douleur de Jésus en restant ferme dans la foi. Tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras pour que, comme à Cana de Galilée, la joie et la fête reviennent après cette épreuve. Aide-nous, Mère de l'amour divin, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs, pour nous conduire à travers la croix, à la résurrection, à la joie de la résurrection. Sous ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les suppliques de ceux d'entre nous qui sont dans l'épreuve et délivre-nous de tout danger, ô Vierge glorieuse et bénie.